Voilà, alors c'est parti. Alors, Eddy Lejeune pour Trial Vidéo. Trois fois champion du monde. Tu peux nous rappeler dans quelles années c'était? 82, 83, 84. 25 ans. Ok. Et alors à l'époque, tu étais déjà sur Honda. Et donc sur une 4 temps, donc on peut dire que tu étais un précurseur, puisque bah, 20 ans avant les autres, tu étais déjà sur un 4 temps, alors que tout le monde disait que c'était pas forcément le meilleur type. C'était un peu lourd à l'époque. Pardon? C'était un peu lourd à l'époque, parce que nous étions seulement en 4 temps. Ok. En 4-25, facile. Et par rapport au moteur actuel, qu'est-ce que tu dirais comme différence? Ah, bah, c'est plus le même sport. Ouais. Aussi bien pour le pilote que pour la moto. D'accord. Moi qui ai en plus arrêté depuis plusieurs années, quand je suis sur une moto triale, je ne sais plus rien faire. D'accord. Vrai junior. Bah, je pense que ça fait plaisir à tout le monde, à tout le gratin mondial de te revoir sur les circuits avec une moto. Donc justement par rapport à la technique qui existe dans les triales d'aujourd'hui, style les petits jumps qu'ils font sur la roue arrière. Oui, non, c'est incompréhensible. Ça, c'était. Pour nous, c'est incompréhensible. C'est vraiment du vélo trial à moto, alors que la moto fait quand même près de 70 kg. Donc ils ont une condition d'enfer et un sort de gravité incroyable. Ouais. Un équilibre étonnant. Tu penses que c'est une technique qui a été inventée, qu'on aurait pu, je dirais, mettre en application sur les motos, sur ta moto d'époque, avec des embrayages à câbles encore? Non, ou c'est dû au nouveau type d'embrayage hydraulique et au travail qui a dû. Un grand nombre de choses. Ouais. Donc à l'époque, moi j'étais un des seuls à avoir un bon embrayage et des freins qui allaient relativement bien, mais pas au niveau actuel. Donc je pense que les motos ont fait beaucoup de progrès, mais les pilotes surtout viennent du vélo trial ou ont un équilibre que nous n'avions pas. Et c'est vraiment un autre sport. Ok. Bah écoute, c'est vraiment sympathique de nous avoir accordé ce petit interview pour Trial Vidéo. Et puis en remerciement, je vois que tu as toujours probablement ton site Domed. Oui, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a plus rien qui fonctionne dessus. J'avais essayé de revendre des motos il y a 5 ans, mais ça ne marche pas. Et je n'avais pas la santé, donc je ne roulais pas. Ok. Donc je suis pensionné. Ça roule, écoute, merci, on va te souhaiter un bon rétablissement. Et puis ça fera plaisir à tout le monde, je pense, de t'avoir revu un petit peu dans le monde du trial, dans le gratin du trial mondial. Et puis amuse-toi bien et passe une bonne journée. Merci.